C'est quoi le scénario numéro 12, T? Nous avons su que c'était une simulation tactique, un gang de terroristes détournant un avion. Mais en quoi ça peut justifier un meurtre? La fiction est devenue réalité. Bon, admettons que des pirates de l'air envisagent de s'aligner sur ce scénario. Pourquoi ce serait toi qu'on voudrait assassiner? Tout dépend de qui sont les organisateurs. Les personnes qui ont conçu la simulation? C'est-à-dire que le gouvernement serait prêt à commettre un acte terroriste contre un de nos avions? Bon, te voilà encore en train d'accuser le gouvernement tout entier. Il ne s'agit que d'une faction, une petite faction. Où est-ce qu'ils veulent en venir? La guerre froide est finie, John. S'il n'existe aucun ennemi, tout le marché de l'armement s'effondrera. Mais prends un 727 avec ses passagers, fais-le se cracher en plein centre de New York, et aussitôt une dizaine de petits dictateurs, trônant aux quatre coins de la planète, hurleront pour qu'on leur attribue l'attentat. Et l'engrenage d'une guerre ne tardera pas à s'enclencher. Je n'arrive pas à le croire, tout ça pour relancer les marchés. C'est pour quand? Cette nuit. Tu comptes les arrêter comment? Tu vas dénoncer l'opération, le dire à la presse. Tu crois que je survivrai plus de 30 minutes si je révèle cette histoire? La presse, qui voudra publier ça? Le World Trade Center a explosé, vous vous en souvenez? Il y a un des accusés qui a dit pendant le procès que la CIA était au courant de tout. Le visa diplomatique de ce cher accusé était délivré par la CIA. Nous ne sommes pas loin de penser qu'ils ont commandité cette bombe pour justifier une augmentation de crédit. Vous voulez me faire croire que vous engagez des faux terroristes et ça seulement pour soutirer du fric au Congrès? Malheureusement, monsieur. Et si je ne sais pas comment je vais fabriquer 4000 morts. Alors je crois que nous allons les tuer pour de vrai. On attribuera ça aux musulmans, naturellement. Et j'obtiendrai mes subventions. Bonne nuit, Charlie.